Allô tout le monde, c'est Katia. On se retrouve aujourd'hui pour mon update Pandos Eyeshadow. Donc j'ai mis 6 eyeshadows ici que j'ai travaillé dessus ce mois-ci. Donc j'ai fait beaucoup d'avancées sur certains. J'ai hit pan sur certains. Certains j'en ai utilisé 30 fois. Et d'autres j'ai vraiment avancé beaucoup. Donc restez à l'écoute pour savoir lesquels que j'ai hit pan et lesquels que j'ai utilisé 30 fois et qu'on va en avoir des nouvelles. Donc, on va commencer tout de suite par juste dedans l'ordre qui sont stackés comme ça. Donc, la première palette, c'est ma palette de Sonia Kashuk. Donc, vous pouvez voir, j'ai pas de nouvelle panne. Mais la sixième couleur qui était celle-ci, je l'ai utilisée 32 fois. Donc, je l'ai utilisée en highlighter, en inner corner highlight, en ombre à paupières, je l'ai utilisé vraiment beaucoup et j'ai toujours pas d'avancée, donc celle-ci, on va la retirer du projet et on va pouvoir en apporter une nouvelle. Ensuite, j'ai ma palette Spice Up Your Life de Essence, donc c'est une palette qui était beaucoup, vraiment beaucoup automnale, donc je l'ai quand même utilisée beaucoup, donc elle se présente comme ceci, j'avais cette couleur-là qui est Spice Apple Cider, donc je vais vous mettre une photo de comparaison ici. Donc comparé au mois dernier, je l'ai quand même utilisé beaucoup. Ce mois-ci, je l'ai utilisé 6 fois et il faut juste prendre en considération que la dernière fois que je vous ai filmé, c'était le 20 août et là on est le 11 septembre, donc c'est seulement 20 jours d'écart entre les deux. Maintenant, je vais essayer de faire ma vidéo à toutes les fois autour du 10 ou du 15, donc mes vidéos vont pas toutes être au début du mois. Donc pour les 20 jours, je trouve que 6 jours, c'est quand même beaucoup. Faut aussi prendre en considération que je me maquille pas à tous les jours. Quand que je travaille pas, je me maquille pas. Ça c'est vraiment trop long. Donc si jamais je travaille pas, je me maquille pas. Des fois je me maquille juste pour le fun, mais c'est pas à tous les jours que je me maquille. Donc 6 fois de plus que la dernière fois, donc je suis rendue à 27, donc le mois prochain jamais je l'utilise 3 fois qui est vraiment pas beaucoup, je vais pouvoir enlever celle-ci du projet. Ensuite j'ai ma palette Riviera de Anastasia Beverly Hills, donc j'avais la couleur Estate, donc je vais mettre une photo du mois passé, ce que ça ressemblait, donc il y avait une petite dip mais pas beaucoup. Et encore une fois, le crayon, le pinceau, il est parti. Mais ça, c'est mon avancée. Donc, j'ai vraiment une grosse dip qui se forme. Aussi, le blanc, je l'utilise quand même assez souvent. Donc, je suis quand même surprise de ne pas avoir hit pan encore. Parce que en tout, dans les 20 derniers jours, je l'ai utilisé 7 fois. Et avant ça, je l'avais utilisé 15 fois. Donc, ça fait 22 fois que je l'ai utilisé. Donc, ça, je sais pas si après 30 fois, je vais essayer de continuer juste pour voir à peu près ça me prend combien de temps pour hit pan. Mais j'ai vraiment essayé de l'utiliser plus souvent. J'ai utilisé en creux de paupière, en transition. Assez souvent, j'ai aussi utilisé tout seul sur toute la paupière. Avec un trait dans la nuit, c'était vraiment beau. Donc, on va voir le mois prochain. Ensuite, une palette que j'ai vraiment pas utilisée, ça ne tentait pas d'utiliser les couleurs que j'avais ici. On s'entend qu'ici j'ai un vert et un bleu, donc il faut vraiment vouloir des couleurs flash. Mais aujourd'hui j'ai le vert en coin interne et je trouve ça quand même beau. Donc on va commencer par le vert dans cette palette-ci, je la porte aujourd'hui. Donc j'ai seulement utilisé 2 fois, c'est vraiment pas assez pour faire un grand changement. Mais je vais vous mettre 2 photos de comparaison, mais je pense pas qu'il y ait tant de changements que ça. Donc je l'avais utilisé 12 fois et là je suis rendue à 14. Donc il m'en reste vraiment un bon bout à faire avec cette couleur là. Et l'autre couleur c'est Nom Nom, donc c'est la bleue ici. Donc je l'ai pas du tout utilisé, donc même pas besoin de vous mettre une photo de comparaison. Il n'y a pas de changement. Je sais pas pourquoi ça me tentait pas d'utiliser le bleu ce mois-ci. Donc ça, on va voir si je vais l'utiliser le mois prochain. Et la dernière palette qui était dans ce projet-ci, c'est Seduce. Donc c'est un dupe de la palette Soul Tree de Anastasia Beverly Hills. Donc je vais mettre une photo de ce que ça avait l'air le mois passé. Donc je l'avais mis dans le projet le mois passé. Et après seulement 6 utilisations, 6, 9 utilisations, j'ai pu hit pan. Donc ça c'est un grand achievement. Puis vous allez pouvoir voir que j'ai aussi hit pan sur la couleur Lace.
Temptation et Silk. Donc, juste ce mois-ci, j'ai épanne trois couleurs dedans cette palette-là. Donc, ça, c'est la palette que je voulais utiliser l'année prochaine pour mon Pendant Palette, pardon. Donc, on voit que c'est vraiment rapide pour Hit Pen. J'avais quand même deux grosses dips dedans, Temptation et Lace, mais Silk, je l'avais pas vraiment beaucoup utilisé. J'étais sûre que c'était vraiment plus une palette froide. Puis je comprenais pas pourquoi il y avait un transition vraiment foncé, pas foncé, mais de couleur chaude. Mais j'ai réalisé que cette couleur-ci, même si elle apparaît foncée dans la panne, c'est vraiment un beau gold. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup utilisé ce mois-ci. Et cette couleur-ci, donc Désirée et Champagne, c'était deux couleurs que j'avais jamais utilisées. Mais j'ai décidé de les swatcher et c'est vraiment des couleurs qui sont belles. Ça n'a vraiment pas de l'air à ce que c'est dans la palette. La palette, ça ne me tentait même pas de les utiliser. Donc, au moins, j'ai trouvé d'autres façons d'utiliser cette palette-là. Et pour l'année prochaine, ça va aller encore mieux. Donc, on va mettre cette palette-ci de côté. Et vu que j'ai utilisé 30 fois la palette Sonia Kashuk et que j'ai hit pan sur Temptation, on va pouvoir maintenant roll in deux nouvelles couleurs. Donc, c'est vraiment excitant pour moi parce que ça faisait un bout que... je trouvais que j'avais les mêmes couleurs, même si j'avais Rolling Temptation, j'ai remplacé une couleur pour une couleur quand même assez semblable. Donc, je vous avais dit la dernière fois que j'étais pour vous filmer sur mon iPad ou mon téléphone pour faire random. Vous en faites pas, on va quand même faire random, mais j'ai pas mon spreadsheet. Donc, il est sur le laptop à ma mère et ma mère est présentement au travail. Il fallait qu'elle y aille aujourd'hui parce qu'il y avait une urgence. Donc, j'ai pas mon spreadsheet. Donc, ce que je vais faire... J'ai toutes mes palettes ici de maquillage. Je vais les compter. Je vais rentrer le numéro dans Random App et Random App désolé. Puis on va trouver une couleur comme ça. Donc c'est vraiment mal expliqué, mais je vais juste compter le nombre de palettes que j'ai puis je vais revenir là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc, après d'avoir tout compté mes palettes, j'ai 31 palettes. Donc, je vais ouvrir le Pretty Random App. Donc, on va juste enlever les poils de chien sur mon iPad. Ouvrir le Pretty Random App. Mettre les chiffres de 1 à 31, je me trompe pas. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc, j'ai de 30 à 31. Puis là, ça dit que si je shake, ça marche. Mais à chaque fois que je le fais, ça marche pas. Donc, je vais essayer avec vous. Ça marche. Donc, la palette numéro 7, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est cette palette ici. La première palette. Et ça va être tout vu que j'ai seulement besoin de deux couleurs. Donc, on va insérer ça sur le côté. Donc, je vous avoue que c'est pas vraiment des palettes que j'aurais choisi moi-même. Ça, c'est ma plus vieille palette que j'ai dans ma collection au complet. Je l'ai eue quand j'étais au primaire et là, je viens de commencer l'université. Donc, juste vous dire, elle est vraiment vieille. C'était vraiment parfait pour moi quand j'ai commencé. Donc, ça se présente comme ça. Là, tu as les eyeshadows, des rouges à lèvres. Tu peux la glisser. Tu as d'autres eyeshadows. Et là, on a des blushs. Donc, je peux étirer de l'autre côté. Ici, on a des bleus, des verts, des mauves, des nudes. Donc, on va choisir une couleur dedans. Les ombres à paupières. Donc, dans cette palette-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Donc, il y a 33 pannes. Que j'ai pas hit pan ou j'ai pas terminé. Donc j'en ai deux que j'ai terminé et il y en a une que j'ai hit pan. Donc ceux-là, on les comptera pas. Donc là, on va mettre 1 jusqu'à 33. Et ça va être la couleur numéro 23. Et pour compter, je vais aller comme ça en prenant les bleus ensemble. Donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, c'est cette couleur ici. Il n'y a pas de nom pour celui-là, donc c'est juste la couleur numéro 23. Puis vu que c'est vraiment une vieille palette, le
rendu, il est pas super. Donc, il faut vraiment en mettre beaucoup pour que ça paraisse. Donc, ça va être un plus pour moi pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est la première couleur ici. Donc, dans la palette, ça a l'air vraiment plus foncé. Mais là, c'est plus comme un champagne or argenté un petit peu. Donc, ça, c'est la première palette, couleur qu'on va ajouter. Et ensuite, c'est la palette Salted Caramel, donc de I Love Revolution. C'est le dupe de Chocolate. Je pense que ça s'appelle juste Chocolate de Too Faced. Donc ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 couleurs. Donc dans mon application, je vais mettre 16 couleurs. Et ça va être la couleur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est un brun quand même assez foncé. C'est comme un brun gris. Donc, ça, je vais essayer de le mettre dans mes sourcils. Au début, j'avais commencé à l'utiliser comme ça, mais c'était pas une couleur que j'aimais full. Donc, je vais essayer de mélanger deux bruns pour pouvoir le mettre dans mes sourcils ou encore l'utiliser comme eyeliner. Donc, je vais vous soigner sur cette main-là les autres couleurs qui étaient déjà dans le projet. On va regarder à quoi ça va ressembler pour ce mois-ci. Donc, ma palette pour ce mois-ci va ressembler à ça. Donc, c'est des couleurs très pâles à part celui-là. La première, c'est celle de Avon. Ensuite, j'ai Estate de ABH. Là, j'ai Spice Apple Cider de Spice Up Your Life. Icing de la palette Macaroon. Nom Nom de Macaroon. Et celle-là, c'est... Je vais regarder le nom. C'est sur le petit papier qui ne veut pas tomber. Je pense que c'est Enjoy. Ouais, donc ça c'est la couleur Enjoy de la palette Salted Caramel. Donc je pense que je vais pouvoir enlever les deux ici pour le mois prochain parce que je vais les avoir utilisés 30 fois ou je vais avoir hit pan sur celui-là. Lui, j'ai quand même assez confiance que je vais hit pan, donc peut-être que le mois prochain, on va avoir 3 nouvelles couleurs. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner pour pouvoir voir mes autres vidéos. Je poste à peu près une fois par semaine ou une fois aux deux semaines. J'essaie de poster le plus de vidéos possible, mais il me faut des idées et des avancées. Donc, merci beaucoup et on se revoit très bientôt. Bye bye!